Bonjour à tous, une petite vidéo YouTube pour vous présenter le Quest 747, un Quest carbone. Voilà, je fais une petite sortie de récup parce que je suis un peu fatigué en ce moment avec beaucoup de trail et beaucoup de compétition. Donc là, j'ai monté un petit col à 28, un col léger monté à Bolou. Il y a 200, 150 mètres de dénivelé à 28 de moyenne. Et là, ça devrait aller plus vite. Donc je vais le filmer, ça peut être sympa. Je vais vous montrer l'intérieur du Quest pour bien prouver à tous les sceptiques que je ne suis pas motorisé parce que personne a priori me croit à la vitesse où je passe. Donc ça, c'est mon intérieur. Donc voilà, j'espère que la luminosité est suffisante. Là, je suis sur le petit plateau de 44. À droite, un gros plateau de 60 dents. Et voilà. Donc ça, c'est mon Quest. Allez, à tout de suite. J'ai remis la protection supérieure parce que j'espère gagner un petit peu en aéro. Allez, on va passer le gros plateau puis on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà mal aux jambes, hein, donc vous emballez pas, ça va pas, ça va pas aller trop vite. Je tiens à préciser que j'ai un pneu arrière largement sous-gonflé, ce qui va me faire perdre pas mal d'efficacité.
je tiens à préciser que le retour va être moins rapide. Hein. Le retour, il va falloir compter entre... Je vais rouler entre 30 et 40 km/h, quoi. C'est un long faux plat, pas méchant, avec du bon rendement.
savoir, tu roules à 70 ou 65. Et après, il faut accepter de rouler à 40, quoi. Et à 20 dans les montées. Et à 10 dans les fortes pentes. Je pense que je suis sur un petit faux plat montant, je vais y arriver. Ça ira mieux dans l'autre sens. À mourir de rire. Je vous ai parlé de trail et demain en fait il prépare le trail des résistants. Je vais m'aligner au départ du 18 km, donc c'est pour ça que je vais pas me mettre une grosse dose aujourd'hui. Et ça doit être le départ de la course, donc les coteaux à droite et à gauche qu'on voit pas, mais c'est là-dedans qu'on va s'amuser. Allez.
Allez, on va couper.